Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Just Giselle. Merci à tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous, partagez, commentez la vidéo. Si vous êtes déjà abonné, merci. Merci d'aimer la vidéo, de partager, de commenter. N'oubliez pas de partager à vos amis, à vos proches, aux membres de famille. Voilà. Aujourd'hui, je viens vous montrer ce lait, le lait Jergens. C'est un lait fait à base de la vitamine C et B5. En fait, il y a trois vitamines à l'intérieur. C'est hyper hydratant. Ça hydrate et répare la peau. En fait, c'est pour les peaux qui ont tendance à être très sèches. Si vous avez une peau sèche, une peau difficile à hydrater, vous pouvez utiliser Jergens à base de vitamine C. Il y a aussi d'autres modèles. Fait à base d'avocat, il y a d'autres choix, c'est à vous de voir. C'est toujours Jergens, mais c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi ça parce que la vitamine C, c'est bon pour la peau. En plus, pendant cette période, la période d'hiver, pendant cette période, la peau a tendance à être sèche. Donc, ça va aider à guérir, à réparer la peau abîmée. Si vous avez des taches sur les coudes, sur les genoux, Jergens aide beaucoup. Ça hydrate la peau, en plus ça élimine les cicatrices. Ça laisse la peau vraiment très douce. Ça pénètre très rapidement sur la peau. En plus, ça dure pendant 24 heures. Pendant toute la journée, votre peau sera vraiment hydratée. En plus, c'est testé dermatologiquement. Je vous conseille toujours d'acheter des laits qui sont testé dermatologiquement. Là, au moins, vous êtes sûr que c'est fabriqué, c'est testé par des dermatologues. Là, vous êtes vraiment rassuré parce qu'avec la peau, faut faire très attention à ce qu'on applique sur la peau. Des fois, on prend seulement de lait comme ça sans savoir. C'est parce qu'on a vu l'autre utiliser, mais vous-même, quand vous achetez votre lait, ayez l'habitude de lire vraiment la notice ou bien t'es derrière. La boîte ou bien t'es derrière la bouteille pour lire c'est quoi la composition de ces laits. Par exemple, avec Jergens, vous allez trouver de l'eau, il y a la glycérine, il y a l'alcool, il y a le sodium, l'hydroxyde, il y a la vitamine C. Au fait, ce sont des produits qui hydratent la peau, qui protègent la peau contre le froid. Et puis, ça va vous aider à hydrater votre peau toute la journée. Si vous avez déjà utilisé Jergens, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas utilisé, si vous ne connaissez pas la marque Jergens, essayez. Si vous êtes en train de chercher un lait hydratant, nourrissant, qui répare, qui hydrate la peau, essayez Jergens. Dans mes anciennes vidéos, dans mes précédentes vidéos, parmi mes premières vidéos, vous allez trouver, j'avais aussi parlé de Jergens. Allez regarder en bas vraiment de mes vidéos. Parmi mes premières vidéos, vous allez trouver, j'avais parlé de Jergens. Je vais aussi, dans mes commentaires, je vais mettre le lien de cette vidéo. Vous allez voir toutes les sortes de Jergens. Si vous n'avez jamais utilisé, essayez ça, peut-être ça va marcher. Peut-être vous avez utilisé une autre crème, ça n'a pas marché. Essayez Jergens, on ne sait jamais. Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer pour voir. Si vous n'avez pas encore essayé, vous ne pouvez pas juger. Vous pouvez voir de loin, mais si vous n'avez pas essayé, donc il n'y aura pas moyen de juger. Essayez. En plus, c'est un lait hydratant. Ça ne va pas causer, je ne sais pas moi, du tort à votre peau. Non. Non. Si ça ne marche pas, vous laissez. Mais si ça marche chez vous, essayez, continuez avec. Moi, j'ai essayé, j'ai utilisé ça déjà pendant longtemps. Il y a longtemps, j'ai utilisé ça. Ça, j'ai pris les petits formats. Il y a aussi les grands formats. Ça, c'est les petits formats. Il y a aussi les grands formats avec la grande bouteille. C'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Merci, partagez, commentez la vidéo. Je vous aime. À la prochaine. Bye.